J'abrace l'album passé, année sans décider.
Puis y a des âmes décidées. 2024, ça me décide. Oui, année, ça me décide. Miracle opéré. Prends miracle 2024, toi. Oui, miracle opéré. Opéré, opéré, miracle.
yopé mira. Satan bon passé. Satan bon passé. Satan bon passé. Ané sans décider. Oui, ané sans décider. Oui, ané sans décider. 2024 l'an décidé. 2024 sans décider. 2024 l'an décidé. 2024 l'an décidé. Oui, ané sans décider. Oui, ané sans décider. Oui, ané sans décider. Oui, ané sans décider. 2024 l'an décidé. Oui, ané sans décider. 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 Oché, oché. Oché. Oshé, 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 Jésus by glow, by glow, by glow. Jésus by glow, nan desè ali by glow. Jésus by glow, nan desè ali by glow. Gado Oshé. Jésus by glow, nan famille by glow. Lol by lol by lol. Jésus by lol by lol by lol. Gado Oshé, Gado Oshé, Gado Oshé, Gado Oshé, Gado Oshé, Gado Oshé, Gado Oshé. Jésus by lol na deze ali by lol. Jésus Badlo nan desè ali Badlo Badlo Gado Oshé. Jésus Badlo nan desè ali Badlo Badlo Gado Oshé. 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 Jésus Badlo nan desè ali Badlo Badlo. Jésus Badlo nan desè ali Badlo Badlo. Jésus Badlo nan foyer oli Badlo Badlo. Badlo, badlo, Gado Oshé, 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 Gado Oshé. Gado Oshé, 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 Gado Oshé, 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 Gado Oshé, 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 Oshé,
Satan te fouye tout à pour moi, mais c'est lui-même. Gardez vos son bon Dieu, vous passez de vivre une toi, oui, oui. Satan te fouye tout, oui, mais c'est lui-même. Personnel, oui. Jésus, je viens, une lumière, tel que je suis. Oui, longtemps, loin de c'est en toi, la joie de l'Éternel, elle me soutient. Oh, ma force est en toi, ma force est en toi, la joie de l'Éternel, elle me soutient. Est-ce pour chanter? Oh, ma force est en toi. Dans le souci pour développer une bonne relation ministérielle avec la communauté chrétienne haïtienne, l'église Vedette, vision des élus du dernier temps qui est à Miami, Floride, intéressé partagé à court calendrier principal activité ministérielle Ligo. Dimanche 8h-11h, études bibliques, adoration et louange. Dimanche soir 7h, dernier service. En ligne mardi 9h midi, devant le trône. Cri de minuit, vendredi 9h minuit. Lecture biblique de Genèse à l'Apocalypse, lundi au vendredi 11h midi, à souhait 6h-7h. Ou intéressé rejoindre l'église Vision des élus du dernier temps, nous n'en 128-00 North Miami Avenue, Miami, Floride 33-168. Ou qu'à contacter secrétariat pasteur Joseph Mondésir, non, 305-305-2359. Ou qu'à suivre Vedette sur différentes plateformes électroniques LIO, www.vedetrtv.org. Facebook et YouTube, tapez Vision des élus en un seul mot. Sous Zoom, 585-318-4941. Contactez Vedette dans USA, 952-222-1750. Access code 305-305-23+10 ou 40. Restez connecté à Vedette Tandé et puis partagez. Oh, c'est la rose de papa.
Gade go son bon se wenge Gade go son bon se ma sevi Satan te fouye tou a pou mwen Men se li men Gade go son bon se Ou passe de vivin toi, oui Oui Satan te fouye tou Oui men se li men Gade go son bon se Gardez vos sang bon Dieu, Satan te fouille tout, Libé c'est libé, gardez vos sang bon Dieu, gardez vos sang bon Dieu, m'a servi Satan, Satan, Libé c'est libé, Satan te fouille tout pour moi. Satan te fouye tou a pou mwen. Gade go son bon Dieu. Gade go son bon Dieu. M'a servi Satan, Satan. Ou a pou mwen, mais c'est libre. Gade go son bon Dieu. Gade go son bon Dieu. M'a servi Satan, oui. Libé c'est libé, la vie va gaspiller, la vie va gaspiller, la vie va gaspiller, mais pas bleu, ouais pas ouais, la vie va gaspiller, la vie va gaspiller, mais pas bleu, ouais pas ouais. La vie m'a fini mal, la vie m'a fini mal. Mais pas oui, ouais pas oui, la vie m'a fini. J'ai pour passer à Nessa, ouais j'ai pour passer à Nessa. Mais pas oui, ouais pas oui, j'ai pour passer à. La vie m'a fini mal. La vie m'a fini ma blé pa blé, ouais pa ouais. Oui, la vie m'a gaspillé, la vie m'a gaspillé. La vie m'a gaspillé, la vie m'a gaspillé. Blé pa blé, ouais pa ouais. La vie m'a gaspillé, la vie m'a gaspillé, la vie m'a gaspillé. La vie m'a gaspillé, mais pas blé, ouais, pas ouais. La vie m'a gaspillé. Fais un bagage dans la vie, fais un bagage dans la vie, fais un bagage tout l'heure. Seigneur, fais un bagage, fais un bagage. Dans la vie, fais un bagage tout neuf. Fais un prodige dans la vie. Fais un prodige dans la vie. Fais un prodige tout neuf. Fais un bagage, fais un bagage. Fais un bagage. Fais un bagage tout net. Satan te connaît. L'idée qu'a fait pour. Au nom de Jésus. Ma marché. Satan te connaît. L'idée qu'a fait pour. Oui, au nom de Jésus. Marche sous lit, Satan te connaît. Il te a fait moins fou. Au nom de Jésus, oui,
m'a marché sous lit. Satan te connaît. Il lui dégage un fou. Oui, au nom de Jésus. Oui, m'a marché sous lit. Satan te connaît. Il dégage un fou. Oui, au nom de Jésus. Oui, on marche sous lui. Oui, au nom de Jésus. Oui, on marche sous lui. Oui, au nom de Jésus. Oui, on marche sous lui. Oui, au nom de Jésus. Oui, on marche sous lui. Oui, au nom de Jésus. Oui, ma marche sous lui. Ah, au nom de Jésus. Oui, ma marche sous lui. Satan te connaît. Oui, lui dégage un fou. Oui, au nom de Jésus. Oui, ma marche sous lui. Satan te connaît. Fou. Oui, au nom de Jésus. Oui, ma marche sous lui. Oui, au nom de Jésus. Ma marche sous Baka. Oui, au nom de Jésus. Oui, ma marche sous lui. Oui, au nom de Jésus. Ma marche sous Baka. Au nom de Jésus, oui, ma main de souligne. Oui, venu devant toi, nous, pour m'adorer. Oui, venu devant toi, nous, pour m'adorer. Oui, ma pensée devant toi, nous, pour m'adorer. Non va guier en l'autre c'est un coup. Non va guier. Non va jamais guier. Oui, moi tout va guier. Non va jamais guier. Oui, moi tout va guier. Va guier en l'autre c'est un coup. Non va jamais guier. Oui, tout va guier. Va guier en l'autre c'est un coup. Non va jamais guier. Oui, tout année, ma va descendre, story, ça pour moi. La béni, l'église là, qui ont sous l'eau qui pourra le péter. Qui ont la main qui pourra tomber dans des airs. Tomber.
zami fè kè ou kontan. Ki yon souzo ki pral pete nan anè sa. Nan di anè sa. Ki yon roche ki pral baglo nan anè sa. Oui, ki yon laman ki pral tombe nan anè sa. Zami fè kè ou kontan. Préparer tout ça chez Nio, c'est gâté. Des connaissances sous la Bible, l'église Vision des élus venir avec un programme pour vous qui portez nom les amis de la Bible. Un programme lecture biblique qui a une possibilité pour lire la Bible, aller de Genèse à Apocalypse à distance, quel que soit côté dans le monde. Là. Si vous avez participé dans le programme, ça, tapez 952 222 1750 code 305 305 23 10 si aux États-Unis. Si vous êtes dans le pays d'Haïti, Chili, Brésil, Saint-Domingue et Latrier, allez sur WhatsApp sur numéro 561 909 78 31. Nous allons tout sur Facebook, YouTube, tapez Radio Vision des élus ou êtes capable de suivre le programme dans toute intégralité. Nouvelle session à 15 janvier 2024, chaque soir sorti 6h pour arriver 7h30 du lundi au vendredi. Profitez moment ça avec pasteur Mondésir Joseph pour découvrir quelle qualité bénédiction qui gagne la Bible. Eh bien, bonjour, bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous comptons pour nous là encore à soir, pour nous continuer le programme de lecture biblique dans Genèse à l'Apocalypse. Nous saluons tous les amis de la Bible, tous les amis qui remettent les paroles, bon Dieu, qui remettent, bon Dieu, qui remettent les paroles, bon Dieu. Nous saluons tous les membres de l'Église Vision des élus, nos supporters, là où vous êtes. Eh bien, nous comptons pour nous là encore à soir, pour nous assurer, eh bien, à nous dire, une autre séance de lecture biblique. À nous demander, frère, notre bien-aimé frère Fenel, priez pour nous commencer pour la gloire de Dieu. Frère Fenel, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, pasteur Mondésir, je salue tous les amis de la Bible. Notre Seigneur, notre Dieu, notre bon Père Céleste, mon Père maintenant qui est dans le ciel là. Nous exaltons, nous glorifions, nous manifestons la puissance du Seigneur. Que ton nom est magnifique sur tout la terre. Père Saint, nous remercions à Seigneur Jésus et nous représentons tous les amis de la Bible devant Seigneur Dieu. Côté nous à votre table là, Seigneur Dieu. Nous parlons de parole. Permet que Seigneur Dieu Tout-Puissant nous capable d'attendre et qu'aimer et pratiquer dans la vie. Nous. Parce que nous connaissons pas nos besoins plus que sincères, à présent même. Je me levais pas seulement des idées devant Seigneur Dieu, mais le ministère des familles devant Seigneur Dieu, garder et aider Seigneur Dieu tout puissant. Merci papa pour ça. Parce que vous mettez pas seulement des idées qui dévouent Seigneur Dieu pour aider nos Seigneur Dieu à comprendre la parole. Avec nous, garder nous, guider nous, pas quitter nos seuls, nous pas bon, nous pas dignes.
mais nous prions dans le précieux nom de Jésus-Christ qui mourut pour nous sur le bois du calvaire. Amen. Amen. Merci, notre bien-aimé frère Fenel. Encore une fois, je salue tout le monde qui a à peine monté, qui a à peine branché avec nous. Pas oublier, nous dans le livre de Job. Nous avons l'autre bel livre poétique. Ça fait premier livre poétique, non? Eh bien, nous allons commencer le chapitre 4 avec Sœur Florence, Sœur Anicette, chapitre 5, Sœur Ulysse, chapitre 6. Nous demandons tout le monde de faire étoile 5 pour nous identifier. Sœur Yolaine Joseph, chapitre 7, Sœur Pascal, chapitre 8, Sœur Nicole, chapitre 9, Sœur Yva, chapitre 10, Sœur Lucie, chapitre 11, Sœur Almir, chapitre 12, Sœur Galiote, chapitre 13. Donc, comme quoi que nous tous prenons place, nous allons commencer avec Sœur Florence dans Job, le chapitre 4. Bonne écoute, bon Dieu béni. Bon salut, pasteur, salut tous les amis de la Bible et tout le monde vision des élus. Nous allons commencer avec Job, chapitre 4, discours d'Eliphaz à Job. Eliphaz de Théman prit la parole et dit, si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as fermé les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Verset 6. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité? Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Le rugissement des lions prend fin. Les dents des lionceaux sont brisées. Le lion périt faute de poids et les petits de la lionne se dispersent. Verset 12. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Verset 17. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez les anges, combien plus tes yeux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière, et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours, et nul n'y prend garde. Dernier verset, 21, le fil de leur vie est coupé, ils meurent et n'ont pas acquis la sagesse. Merci, Sœur Florence. Alors, ça, c'est le premier discours d'Eliphaz. Et dans le premier discours, ça, elle a fait Job comprendre que l'innocent ne devrait pas souffrir. Donc, même genre avec un pile monde, c'est comme ça, vous comprendre. Depuis, ces chrétiens, ils n'ont pas qu'à souffrir. C'est-à-dire que c'est juste le contraire. Parce que la gloire de Dieu est passée par la souffrance. Donc, en d'autres termes, M. Sayo, wrong.
Sœur Anicette a continué pour nous avec le chapitre 5. Bonsoir, pasteur. Je salue tout le monde qui se dit non. Nous allons lire Job 5. Crie maintenant, qui te répondra? Auquel des saints s'adressent-tu, les sorciers périssent dans sa colère? Le fou meurt dans ses emportements. J'ai vu les sorciers prendre racine pour soutien. J'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils et son foulé à la porte. Et personne qui la délivra, sa maison est dévorée par les affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines. Et ses biens sont engloutis par les hommes altérés. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Et je fais des choses, il fait des choses grandes et insondables. Des merveilles sont nombre. Il reprend la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les œuvres et délivre les affaires affligées. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Verset 13. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi, comme dans la nuit. Ainsi, Dieu protège le faible comme leur menace et le sauve de la main des puissants. Verset 16. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Et au l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la corruption du Tout-Puissant, il fait la pluie et il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. Six fois, il te délivra de l'angoisse et sept fois, le mal ne t'atteindra pas. Je te sauverai de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Il sera sans crainte de la quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine et tu n'auras pas à redouter des bêtes de la terre car tu seras alliance avec la pierre des champs et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Verset 24. Tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu retrouveras des troupeaux au complet. Tu verras la prospérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Verset 26. Tu entendras au sépulcre dans la vieillesse comme on emporte une gerbe à son temps. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est. Et à toi d'entendre de mettre en pratique la parole du Seigneur. Excusez-moi, parce que je ne sais pas si je suis en train de la parole du Seigneur. Yeah, moi, ouais, ça. Donc, prends quelques petits bails naturels pour apaiser. Yeah. Oui, parce que merci. Yeah, donc c'est Eliphaz qui continuait après le film montrer monsieur que au monde qui droit. Eliphaz t'a montré dans premier discours que au monde qui innocent, au monde qui droit, ou pas gain droit souffrir. Qu'on y a venu à un deuxième argument, Dieu fidèle. Donc tout ça c'est ça Eliphaz dit au gain sens, mais et pas ça que et par contre ça que parole bon Dieu montrer que bon Dieu fonctionne. Donc on a continué avec sœur
Ulysse dans le chapitre 6. C'est Ulysse. Bonsoir, Pasteur Mondésir. Un salut à toute famille. Bonsoir à tous les amis de la Bible. Que bon Dieu bénisse nous. Nous allons lire ensemble Job 6. En réponse de Job à Eliphaz. Job prit la parole et dit: Oh, s'il était possible de peser ma douleur et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé et mon âme en sus le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'âne sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre? Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage? Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture. Si dégoûtante soit-elle, puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veuille réaliser mon espérance. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Il me restera du moins une consolation, une joie dans les maux dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi atteindre quand ma fin est certaine? Ma force est-elle une force de pierre? Mon corps est-il d'airain? Ne suis-je pas sans ressources et le salut n'est-il pas loin de moi? Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent. Les glaçons troublent le cours, la neige s'y précipite. Viennent les chaleurs et ils tarissent. Les feux du soleil et leur lit demeurent à sec. Les caravanes ne détournent de leur chemin, s'enfoncent dans le désert et périssent. Les caravanes de Théma fixent le regard. Les voyageurs de Séba sont pleins d'espoir. Ils sont honteux d'avoir eu confiance. Ils restent confondus quand ils arrivent. Ainsi, vous êtes comme si vous n'existiez pas. Vous voyez sous mon angoisse et vous en avez horreur. Vous ai-je dit, donnez-moi quelque chose. Faites en ma faveur des présents avec vos biens. Délivrez-moi de la main de l'ennemi. Rachetez-moi de la main des méchants. Intruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Que les paroles vraies sont persuasives. Mais que prouvent vos remontrances? Voulez-vous donc en blâmer ce que j'ai dit et ne voir que du vent dans les discours de désespéré? Vous accablez un orphelin, vous persécutez votre ami. Regardez-moi, je vous prie, comment tirerai-je en face? Revenez, ne soyez pas injuste. Revenez et reconnaissez mon innocence. Le dernier verset. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue et ma bouche ne discerne-t-elle, pas le mal? Parole du Seigneur. Merci, Pasteur Mondésir. Merci, Sœur Joanie. Merci, Sœur Ulysse. Bon Dieu béni. Donc, c'est la réponse de Job. Donc, Job. Merci, Pasteur. Il a fait appel à la compassion de ses amis. Parce que monsieur, sans pitié pour Job, c'est parce que Job wrong. Donc, là, Job a dit que la ville droite n'est pas vraie. Parce que si la ville est droite, et bien, le patakan droit a souffri, diable patakan droit, bal, tout problème ça. Notre bien-aimée sœur Yolaine Joseph a continué pour nous avec le chapitre 7. C'est Yolaine. Amen. Bon Dieu béni, pasteur, mon désir. Bon Dieu béni tous les amis de la Bible. M'appelle Job 7. La vie est un homme sous la terre qui t'a conservé militaire la fait. L'étakou moun kap van jounen. L'étakou yon esclave kap tan la nuit pou l'pose. Takou yon travaye kap tan
comme journée travail li. Depuis quelques mois, paroi pour qui ça m'a vive. Toute la nuit, c'est souffrir, m'a souffri. Moi, pourquoi boucher nan cabane, moi, pourquoi coucher nan cabane moi, m'a demandé qu'il est pour jour. Maintenant, la longue, moi, pas qu'à dormir. Yon bon vie l'idée a passé nan tête moi, jour soleil levé, tout comme plein, vert ak gros plaque, bouton tout partout, pouf, fan, la baye postine, jour yon passé, puis vite passé, aiguille, non, mais mon cap marié, sain, disparaît. Kage aye, m'attend encore. Bon Dieu, tablier, la vie t'en cou, mon nage cap passé. Les maps, femme jeune, moi pas jamais capable jouir la vie encore. Ou est couillée, mais ou pas jamais ma encore. Ma chercher ou ma jouer, moi tant qu'il y a un nuage qui allait net, qui disparaît. Les gens mourent. Kage levé pour lui encore, li pa jan tourne la kaili, moun kaili tout blie. C'est peut-être ça, moi pas parler, kem serré, qui t'aime parler. La peine, kaye nan kem, qui t'aime plein. Pour qui ça, ou mettez mon feuillet comme ça? Moi pas la mer, moi pas gros bête la mer, moi te dis nan kem, moi pas la de comme yon côté, moi prends yon si kampo. Si dormi, ma joint yon si soulagement, mais. Ou ferme fait yon bon vieux rêve, ka ferme paix. Ma fait yon bon vieux vision, ka ferme tremble. Le consta, pito moun te tranglé, pito te mouri, passe pou souffri. Tout douleur sa yo, c'est fini, ma fini. Fok mwen mouri yon chou. Kite m pou kont mwen. La vin pou bout. Ki sa le zomye pou ou pran ka yo konsa? Ki sa yo ye bim pou wak okite yo konsa? Chak matin ou pase wè jan yo ye. Chak lè wap gade nan fonke yo, wap sonde yo. Ki lès wap sispan gade, ban yi bam, yon ti souf. Nan, kont mpoum, vale krashim. Si mfe peche, ki sa mfe ou, di nan ou menm. Kap veye tout sa moun a fè, pou ki sa wap plante tout flèche ou yo nan kom kon sa, pou ki sa ou fèm toune yon chay pou ou, se supporte ou pa ka supporte ankon, sa moun fè ki mal, se pardon ou pa ka pardonne, péché mieux tellement t'allais comme ça, moi pral en bas tête, ou à chercher
ou pas cham joine moi encore parole du Seigneur. Amen. Merci sœur Yolaine. On va continuer à sœur Pascal. Job chapitre 8. Bon Dieu bénit mon pasteur mon désir, bon Dieu bénit les amis de la Bible. Lisons Job chapitre 8. Discours de Bildad à Job. Bildad de Soad prit la parole et dit: jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte? Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, tu as recours à Dieu et tu implores le Tout-Puissant. Si tu es juste et droit, certainement, alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocence demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'esprit et à l'expérience de leur père, car nous sommes hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Verset 10. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Le champ croit-il sans marais, le roseau croit-il sans humidité, encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. Verset 14. Son assurance est brisée. Son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Il entrelace ses racines parmi les pierres. Il pénètre jusque dans les murailles. L'arrache-t-on du lieu qu'il occupe? Ce lieu le renie, je ne t'ai point connu. Tels sont les délices que ses voix lui procurent. Puis, sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Job 8, versets 20 à 22 pour en finir. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte. La tête des méchants disparaîtra, parole du Seigneur. Merci, Sœur Pascal. C'est le premier discours de Bildad. Donc, Bildad sont l'autre ami Job. On va continuer avec Sœur Nicole dans le chapitre 9. Sœur Nicole, bon Dieu béni. Est-ce que Sœur Nicole fait étoile 5? S'il vous plaît, Sœur Nicole fait étoile 5 pour nous. Pour nous capables. Ouais, qui côtoie. Ok, merci, c'est Nicole. Let's go. Bonjour, nous allons faire mon désir. Bonjour, les amis de la vie. Excusez-moi. Nous allons lire ensemble Job chapitre 9 pour la gloire de Dieu. Il dit réponse de Job à Bildad. Job prit la parole et dit: je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Il voulait contester avec lui. Si mille choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute puissance qui lui résisterait impunément. Il transporte en soudain les montagnes. Il les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles seules. Il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer,
Il a créé la grande fosse, l'Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas. S'il l'enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira, que fais-tu? Dieu ne retire pas sa colère, sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. Et moi, comment lui répondre? Quelle parole choisir? Quand je serai juste, je ne répondrai pas. Je ne puis qu'implorer mon juge. Et quand il m'exaucerait, je l'évoque, je ne croirais pas qu'il eût écouté ma voix. Lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume, va fuir à la force. Il est tout puissant. À la justice, qui me fera comparaître? Suis-je juste, ma bouche me condamnera? Suis-je innocent? Il me déclarera coupable? Innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie. Je méprise mon existence. Qu'importe après tout, car j'ose le dire. Il déduit l'innocent comme le coupable. Si du moins le fléau donnait soudain la mort, mais il ne sévit les épreuves de l'innocent. La terre est livrée aux mains de l'impie. Il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Il passe comme les navires de gens, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Si je dis je vais oublier mes souffrances, laissez ma tristesse, reprendre courage. Je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon? Je me plongerai dans la fange et mes vêtements n'auraient en horreur. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux, qu'il retire sa verge de dessus moi, que cette erreur ne me trouble plus. Et verset 35 pour finir, alors je parlerai et je ne le craindrai pas. Autrement, je ne suis point à moi-même. Parole du Seigneur. Merci, Pasteur Mondésir. Merci. C'est la réponse de Job. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? On va continuer avec notre bien-aimée, Sœur Iva, dans Job, le chapitre 10. Job chapitre 10, la grande. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma prête. Je parlerai dans la amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur les conseils des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voir un homme? Tes jours sont-ils comme des jours de l'homme? Et tes années comme ces années pour que tu recherches mon iniquité? Pour que tu t'inquiètes de mon péché, sachant bien que je ne suis pas coupable, et que nul ne peut me délivrer
de ta main. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé. Elles m'ont fait tout entier et tu me détruis. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudras-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas taillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'eau et de nef. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur. Voici, je le sais, ce que tu as résolu en toi-même. J'ai péché, tu m'observes, tu ne pardonnes pas mon iniquité. Suis-je coupable, malheur à moi, suis-je innocent, je n'oserais lever la tête, rassasié de brottes et absorbé dans ma misère. Et si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion. Tu me frappes encore par des prodiges. Tu m'opposes de nouveaux témoins. Tu multiplies des fureurs contre moi. Tu m'assailles d'une succession de calamités. Verset 18. Job 10. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme si je n'ose pas exister. Et j'aurais passé d'une vente de ma mère au sépulcre. Verset 20. Mes jours ne sont-ils pas un petit nombre qu'ils me laissent, qu'ils me retirent de moi et que je respire un peu? Avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort. Verset 22 pour finir, dernier verset. Pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Amen. Merci, sœur Iva. On va continuer avec le chapitre 11, sœur Lucie. Bonsoir, pasteur, mon désir. Bonsoir, toutes frères et sœurs qui soulignent. Sœur Joannis, bonsoir. Et nous toutes, les seigneurs, que nous avons le privilège pour nous voir table, soyons encore une fois pour nous lire la Bible ensemble. Nous voyons Job, chapitre 11, à la gloire de Dieu. Premier cause Sopha à Job. Mais ça, Sopha, mon âme, quand la parole lui dit comme ça. Attends, personne ne peut répondre à la dosa. Parler en pile, pas qu'à bail mon raison. Ça comprend parler en piloua, ça impose moun l'oubli bouchio pour répondre nous. Parce que, ou pas se moun na bêtise là, attends, yo pas qu'à faire honte. Verset 4. Ou prétend, ça ou dia se vérité pour vous. Ou sans reproche devant bon Dieu. Papi, ton bon Dieu t'a parlé pour répondre. L'état fait ouais, bien en pile l'autre bagaille ou pour qu'on connaît. Bagaille moun pas qu'à comprendre. Laisse ça. Ou ta ouais, bon Dieu, pas faire payer pour tout ça ou fait. Verset 7. Ou comprenne, ou ka konne sa ki nan ke bon Diye. Ou ka konne tout bagay net sou bon Diye ki gen tout pouvoir. Li pi wo pa se siel la. Sa ou ka fe nan sa.
li pi fon pa se peyi kote moyo ye ya, sa ou ka konprann la. Li pi long pa se longe te ya, pa se longe tout te ya. Li pi laj pa se la mea, verset 10. Si bon die arete ou, li mete ou nan prison, li trene ou nan tribunal, ki moun ki ka dil non? Bon Dieu konnen tout moun ka bay manti. Jèl bien louvri, li wè tout méchanceté moun ap fè. Verset 12. Kon sa, moun fou va komanse gen konprann. Bourik sovaj yo va dante. An nou wè, mon chè, pwate tou, louvri bwa ou devan bon Dieu. Sispan fè vie bagay kap salme ou yo. Paske mechanste chita la kayou. Verset 15. Lesa, wale vete tou pou gade moun nanje. Wa bien ferm ou pa pè anyen. Wa blye la pen ou yo. Tant pou yon inondasyon ki fin pase ou pap sonje yo ankor. La vi ou pal kleve pi bel pase gwo soleil midi. Mouve payo pral tant pou yon devan jou, verset 18, ou pal vive sans kè sote. Ou pap dekouraje, bon Diye va proteje ou, la ba ou pe pose. Le wap domi, person pap deranje ou, apil moun va vin achete figi ou. Verset 20, dernier verset ya, men, mechan yo ap voyeje yo, bouske tout patou, yo pap jwenn kote pou yo chape koyo. Se l'espwa yo, se lanmo yap tan, parol di Seigneur, mersi Pasteur Mondezir, mersi Tejwanis. Bon Dje beni. Mersi, bon Dje beni, ou se Lucy. Alors se premier diskour, bien attendu. Alors le nan menm sens lot de premier, parce que se 3 ans mi job de gen. Mais yon va aménager Job, Eliphaz, Bildad, avec Sofa. Donc Sofa même, pas son vitesse, il monte pire toujours, dans l'accusation. Il dit Job, comment Job ka prétend l'innocent? Donc Job se pété la pété. La vie Job pas droite. Et ça fait tout bagage ça arrive. Donc monsieur mettez pour Job. Tandis que Job bon Dieu témoigne pour Job, Job son monde qui intègre, qui droite, qui honnête, qui a crainte pour bon Dieu. Mais c'est simplement bon Dieu t'a parié sur Job et t'es d'accord pour Satan attaquer Job. Parce qu'il était certain que, on a conviction, Job pas obsédé, Job pas type de monde qui a servi bon Dieu pour sa bon Dieu bail, mais il a servi bon Dieu pour sa bon Dieu yé. Ou du moins, j'en compris chez message, pas adorer bon Dieu pour sa bon Dieu fait, mais adorer bon Dieu pour sa bon Dieu yé. On va continuer avec Job, chapitre 12. Sœur Almi a continué pour nous. Amen, amen. Bon Dieu, bénis-nous. Bonsoir, pasteur. Nous savons chaque monde qui est sur les noms. La prière Job, chapitre 12. Réponse de Job à Tsophar. Job prit la parole et dit, on dirait en vérité que le genre humain, c'est fou.
et qu'avec vous doit mourir la sagesse. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence, moi. Je ne vous suis point inférieur et qui ne sait les choses que vous dites. Je suis pour mes amis un objet de raillerie. Quand j'implore le secours de Dieu, le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Oh malheur, le mépris, c'est la devise des heureux. À celui dont le pied chancelle est réservé le mépris. Il y a paix sous la tente des pillards, sécurité pour ceux qui offensent Dieu. Pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît ses yeux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles, car les palais savourent les aliments? Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie, l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Celui qui l'enferme ne sera point délivré. Il retient les eaux et tout se dessèche. Il les lâche et la terre en est dévastée. Il possède la force et la prudence. Il méprise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Il emmène captifs les conseillers. Il trouble la raison des juges. Il délie la ceinture des rois. Il met une corde autour de leurs reins. Il emmène captifs les sacrificateurs. Il fait tomber les puissants. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il prive de jugement les vieillards. Il verse le mépris sur les grands. Il relâche la ceinture des forts. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Il donne de l'accroissement aux nations et il les anéantit. Il les étend au loin et il les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples. Il les fait errer dans les déserts sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres et ne voit pas clair. Il les fait errer comme des gens ivres. Amen. Bon Dieu bénis-nous. Merci, Pastor. Amen. C'est la réplique de Job à troisième ami Lysophar. Dieu demeure au-dessus des hommes. Donc Job veut le connaître. Bon Dieu fait. Bon Dieu pas l'homme. Donc l'homme a accusé. Mais bon Dieu connaît. Donc, bon Dieu par l'homme. On va continuer avec notre bien-aimée, sœur Sanon, dans le chapitre 13. C'est Sanon, bon Dieu béni. C'est Sanon, Job, chapitre 13. C'est pas ça, me détendez nos pas. Oh. C'est pas ça, Oguin? Non, elle va te faire détendre, non? Oh. Bon, je regarde encore. Oh, et moi, je fais une minute. Yeah. Non, et moi, je fais une. C'est pas vous-même, non? Et c'est Galiot, oui. C'est Galiot. Et ça me détendre, ok. Ok, sorry. Merci, no problème. Et moi, je fais une. Oui. Oui, c'est Galiot, Kotoï là. Ok, c'est Galiot, let's go. Job, chapitre 13. Bonsoir, Pasteur Modézi, bonsoir à tous les amis de la Bible, c'est ça, nous allons suivre. Et ça, c'est Galiot. Yes. Yeah. Job 13. Oui. Voici mon œil a vu tout cela. Mon oreille l'a entendu et il y a pris garde. Verset 2. Ce que vous savez, je le sais aussi.
je ne vous suis point inférieur. Verset 3. Mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Car vous, vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins de Néa. Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Écoutez, je vous prie, ma défense, et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Verset 7. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste, et pour le soutenir, allez guérir-vous de fausseté? Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? Verset 9. S'il vous sonde, vous approuvera-t-il ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Certainement, il vous condamnera si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne. Sa majesté ne vous épouvantera-t-elle pas? Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous? Verset 12. Vos sentences sont des sentences de sang. Vos retranchements sont des retranchements de boue. Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. Je m'en arriverai à ce qu'il pourra. Pourquoi saisirai-je ma chair entre les dents? J'exposerai plutôt ma vie. Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Verset 16. Cela même peut servir à mon salut. Car un impie n'ose paraître en sa présence. Écoutez mes paroles. Prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Me voici prête à plaider ma cause. Je sais que j'ai raison. Quelqu'un disputera-t-il contre moi? Alors je me tais et je veux mourir. Mais c'est vrai. Seulement accorde-moi deux choses. Et je ne me cacherai pas loin de ta face. Retire ta main de dessus, moi, et que tes terreurs ne me troublent plus. Puis appelle et je répondrai. Ou si je parle, réponds-moi. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Verset 24. Pourquoi caches-tu ton visage et prends-tu pour ton ennemi? Veux-tu frapper une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Pourquoi m'infliger d'amères souffrances? Me punir pour des fautes de jeunesse? Pourquoi mettre mes pieds dans le cercle? Surveiller tous mes mouvements? Tracer une limite à mes pas. Job 13, verset 28 pour finir. Quand mon corps tombe en pourriture, comme un vêtement que dévore la terre, parole du Seigneur. Merci, Pasteur Mondésir. Merci, Sœur Galiote. Et n'a pas remercié tout le monde. À ce moment c'est Johanniste qu'on aime un peu fatigué, il va m'outil vacances. Parce que je finis avec l'Isla là. Et bien que nous étions 30 minutes encore. Donc, n'a prêté là. Bral font-il reposer. Et donc, merci pour tout le monde qui t'est venu lire avec nous. Donc, c'est bien, n'a dit c'est bien. Pour nous, chaque après-midi. Nous chita et bon table, nous chita ensemble, bon Dieu fait arrangement pour ça, bas nos plateformes, et bien pendant que côté nous et la caille nous pour nous appeler parole bon Dieu. Donc c'est de la bonne chose.
Et dans le dernier temps, ça, nous avons besoin de ça, bien-aimé. Nous avons besoin d'attacher à la parole de Dieu. Nous avons besoin de connaître tout ce qui a passé. Puis nous garder avec nos yeux de profane. Nous devons questionner les choses. Ça permet que nous. Parce que les choses qui ont passé, c'est à l'aide. Ils sont là pour allaiter nous. Pas oublier que le Seigneur n'a pas de banon qui joue, ni qui le. Eh bien, n'a privé à la fin. Mais il te banon des signes. Des signes avant coureur. Et ça fait dire que les choses qui ont passé, c'est à passer. Levez les yeux nous, gardez en haut pour nous instruire tête nous. Nous sommes ça qui passe le 8, donc c'est en l'air qui a passé. Parce que le diable a un signe dans le ciel, même j'ai un signe sur la tête tout. Par exemple, tremblement de terre, ce n'est pas en l'air passé, c'est à terre. Mais il y a un signe dans le ciel. Il y a des signes dans le soleil, il y a des signes dans la lune. Donc, Pingano agit même déjà avec le monde. C'est comme si, ou du moins, même les nous t'a intéressé à ce qui a passé, mais nous interprétons ou même déjà le monde. Donc, c'est peut-être ça, je fais annoncer déjà. Mais invitez-nous dans. Yon ti réflexion n'a fait vendredi soir, n'a fait le cri de minuit vers 9h30, yon, n'a commencé depuis à 9h bien entendu. Mais moun ki a n'a pris un moment nous diriger et bien après ça nous a réfléchi, m'inviter l'autre intervenant pour nous réfléchir sur ça d'accord les perspectives bibliques et prophétiques. Des événements qui sont passés, à savoir une éclipse solaire, mais qui fait partie d'un événement rare. Éclipse en lui-même n'est pas un événement rare, mais éclipse solaire, ça a été fait là. Côté que nous avons une éclipse totale, li rare, c'est pas un bagage qui est facile. Est-ce que c'est une simple coïncidence? Est-ce que c'est une simple. Et Santa Carille aux manifestations naturelles. Est-ce que c'est Jean Lassiès qui comprend bien ces saliers? Nous-mêmes, qui interprétation nous fait de lui? Est-ce que d'elle, pas un message qui caché? Eh bien, c'est vendredi, si Dieu veut, m'inviter, venez réfléchir. Ça veut dire qu'on a toujours une lecture, et puis après, ça n'a pas écrit des minutes, on a écrit des minutes, on a porté ça pour nous réfléchir. Mais invitez-nous tous. Venez joindre nous. Mon qui va ka vini ou ka longue distance, mon New York, Connecticut, Janouye là. Donc, nous avons toujours un ligne téléphone disponible. Et ma fan quelque sorte pour nous recevoir nous l'église. Nous même qui voulons poser une question ou faire étoile 5 pour qu'on pose une question. Et puis, et mon qui sur YouTube, Facebook, ou qui doit y contexte, il y a bon mon qui pour l'île pour vous. En façon que nous devons tous participer. Nous sommes des étudiants de la Bible, nous sommes lecteurs de la Bible, des bagailles, tout est là dans la parole de Dieu. Donc nous devons essayer de comprendre ce qui a passé et pour nous faire une bonne interprétation de nous, pour ce qui a passé, nous ne pas surprendre nous. Par exemple, là, il y a une pile panique, il y a des gens qui ont fait bon cœur. Pour y aller cacher, par exemple, les gens qui ont moyen, parce que vous paniquez, la NASA paniquez, les hommes de science paniquez, les grands, vous paniquez. Mais nous-mêmes, si nous comprenons ce qui a passé, nous devons poser, parce que ça, ce n'est pas étrange pour nous, ce sont des signes, et c'est là pour nous faire preuve. De connaissance de la parole de Dieu pour nous agir, pour nous avoir un bon réflexe pour nous agir. Donc, je m'attends nous et vendredi, si Dieu veut, pour nous réfléchir sur ce sujet-là. Je vais répéter pour nous perspective
perspective prophétique, c'est spirituel de l'éclipse solaire, surtout ça qui était passé le 8 avril. Est-ce que son simple coïncidence, qui message qui caché derrière elle, est-ce qu'il va un bagage plus profond? Et bien, nous allons voir ça bibliquement. Alors, on a parlé de perspectives bibliques. Donc, il y a plusieurs perspectives. Il y a une perspective naturelle et scientifique, mais nous-mêmes, on a penché. Parce que c'est ça, nous croyons la parole de Dieu. Donc, je vais m'inviter pour venir participer. Pas assister, non? Pas venir tant de seulement non, pour venir participer. Sans pas comprendre, pour poser question. Sœur Joannis pour le faire admission pour nous. Salut nous toutes mes amis. Je suis content pour tout le monde qui vient la Bible. Même les pas qui peuvent voir. Mais je dis que n'importe monde qui a lu, quel que soit le monde qui veut, en créole, en français, on peut mettre en anglais, ce n'est pas ça qui est le problème nous. En espagnol, il y a un problème, mais nous comptons venir. Et même là, on parle de voix, eh bien, on ne doit pas lire à haute voix, mais on lit ensemble avec nous. C'est le problème que j'ai en pile, mon vient très, très en retard. Donc, nous faisons effort. Il y a un monde, par exemple, qui a 3 minutes depuis qu'on monte. Tandis que il y a un monde qui a 80, on nous dit 78 minutes depuis qu'on monte. Donc, pour la différence. Donc, c'est une grande différence. Donc, ça veut dire, si vous venez avec nous, faites effort. Parce que depuis avant de venir, bon Dieu, tu es à Chita là, là, peut-être. Elle connaît à venir. Donc, à nous passer, Sœur Joannis, qui va faire admission pour nous, pour la gloire de Dieu. Sœur Joannis, bon Dieu béni, après ça, on a demandé ça du tout. Priez pour nous mettre fin à la soirée. Merci pour tes vacances là. Merci pour tes vacances en bas. Je vais respirer là pendant bon 30 à 45 minutes avant les hommes. Ok. Bonjour, bienvenue, pasteur. Bonjour, bienvenue, tout le monde qui est là. Nous allons aller. D'après ça, longtemps, je suis arrivé dans la somme. Donc, je vais prendre deux trois minutes là. Je vais regarder la rapidité. Donc, ça va vous aider. Salut, nous, oui, dans le nom de Jésus. Mais bon, somme 4, yes, nous divisons le somme 4, please. Eh bien, bam, deux minutes. S'il vous plaît, qu'il y ait des téléphones pour nous, pour ne pas faire bruit. Eh bien, nous calibrer voix, nous. En aller. All participants are now unmuted. Somme 4, let's go. S'il vous plaît, qu'est-ce que le téléphone pour nous pour pas faire bruit? Qu'est-ce que le téléphone pour nous pas faire bruit?
Ou même si elle se joint à dix sommes d'eau. Donc, ça, je suis. Somme 14. Je me fais le clap, ma fille. Ok. Parfait. Parfait. This is it. Ok. Demain, si tu veux, la balle dit. Job 14. Job 14. Job 14. Et Saint-Léon. Job 14, Saint-Léon. Job 15, Pierre-Charles. Job 16, Ursula. 17 sur Suzanne. 17 sur Suzanne. 18 sera Almir. Job 18 sera Almir. Job 19, Père François. Job 19, Père François. Job 20 sur Souffrant. 21 sur La Fortune. 22 sur Niova. 23 sur Galiot. Job, oui, vous allez? Job. Ok. Amen. Anoumande, soeur, dit au prier pour nous mettre fin. C'est bien pour nous ensemble. Nous souhaitons nous passer une bonne nuit. Que bon Dieu bénisse. Bon Dieu bénisse, pasteur. Bon Dieu bénisse. Bien, ben, bon Dieu, pasteur. Nous saluons tout le monde qui est en ligne. Qui déjà sont prier quand des paroles, mon Dieu, éternel, mon papa, nous qui nous sommes là, nous bénissons, nous exaltons, nous bénissons, parce que chaque fois nous dormons, nous réveillons, nous levons, nous faisons mouvement, nos yeux, nos carreaux, oreilles, nos attendons, mais nous en mouvement, pieds, nos cas marchés, nos cas fait tout l'autre besoin naturel, nous bénissons, nos familles, parce que ça que l'hôpital, ça couche, pas qu'à virer, mais Seigneur, dans miséricorde, ou dans grâce, ou dans compassion, ou permettre encore une fois, nous capables de grouper ensemble autour de cette table, pour nous capables de savourer, bon nourriture, ça, et là qui est la parole, de Dieu, qui a aidé moi-même avec femme, Seigneur, ça fait monter, ça t'est là déjà, Seigneur éternel, pour nous capables de vivre, pour nous vivre selon sa ouvrée, selon sa parole là, dis-nous. Merci, cher Père, merci, bon Papa, merci, fortifiez-nous, encouragez-nous. Parole ça qui a fait nous haïr, ça mal, parole ça qui a fait nous haïr, péché, parole ça, Seigneur, qui a fait nous capables de comprendre. Nous mieux. Merci Seigneur. Merci pour Pasteur Mon Désir. Merci pour Vision des élus. Merci pour chaque membre qui était là. Les amis de la Bible, côté Seigneur. Où vous faire avec parole là où liés nous ensemble, nous venons famille. Cher Seigneur, nous bénissons. Au bon gloire, Seigneur, tout notre laïo, tout notre pasteur qui avait nous qu'on assisté, Seigneur, nous bénissons pour vous. Merci. Consolez, Seigneur, fortifiez l'Église, Seigneur, qui a prié, ça vient de l'enjeu, Seigneur, de la paix, Seigneur, nous portez sur nous, la vie, nous en mer, nous parions, qualité de bon, mais appuyez sur nos mères, pour que nous portions sur nos deux fidèles, par contre, Seigneur, nous parlions sur nous, avec nous, mais du paria, nous parlions du nom, et de nous, Seigneur, des convictions dans les projets, Seigneur, nous venons de nous, nous sommes tous les jours. Amen, amen. Merci, amen. Merci, Sœur Dito. Merci tout le monde qui t'a lié avec nous. Saluez une autre. Donc, nous allons rencontrer demain, si Dieu veut. Bon Dieu bénis-nous. Amen.
Puissance, dans son palais tout s'écrit, 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 gloire, 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 oui, 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 gloire, gloire. Louange, 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 onction, onction, pouvoir, pouvoir, puissance, 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 richesse, 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 puis moi l'écrit, gloire, 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 gloire. Oui, gloire, gloire. Mais c'était des musiciens, mais c'est de mettre, je vais jouer. Nous mettons jouer musique pour vos yeux. Pendant que moi balancez moi devant l'éternel. S'il merci pour aller à la voix passant bien. Balancez-moi l'église en besoin. Levez-moi, levez-moi, levez-moi. Levez-moi, balancez-moi pour vos yeux. Souvenez-vous quand faut-il voler tout. Faut-il voler, faut-il voler. Oui, 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 faut-il adorer. Oui, faut-il adorer. Oui, faut-il voler. Oui, faut-il voler. Oui, faut-il voler. Oui, faut-il voler. Oui, faut-il adorer. Oui, faut-il adorer. On faut-il danser. On faut-il danser. Oui, on faut-il danser. On faut-il danser. Oui, on faut-il danser. Danser pour l'éternel. Danser pour Anessa. Danser pour Famiola. Danser pour Samoyo. Oui, on faut-il danser. Oui, on faut-il voler. Oui, on faut-il voler. Voler, voler, 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 voler. Balancer, balancer, balancer. Balancer. Oui, balancer. Oui, balancer. Oui, balancer. Oui, on faut-il voler. On faut-il voler. Oui, on faut-il voler. Oui, on faut-il voler, nous voilà Fontichita, 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 Kounia nous voilà voler, Kounia nous voilà voler, on faut-il voler, on nous faut-il voler, on nous faut-il voler, on nous faut-il voler, on nous faut-il danser. Marchez dans la salle, marchez dans la salle, nous voilà marcher dans la salle, vous mettez des autres jeunes blés, bonne passée année 2023, on nous réjouit dans le Seigneur, nous mettons marché, à saluer mon qui bon contre la ville, bonne année dans le Seigneur. Saluer mon qui bon contre la ville, bonne année dans le Seigneur. 52 minutes pour 20 000 fois l'entrée, dis bonne année dans le Seigneur. La marche est jonglée. Si bon Dieu merci pour aller sale pour passer. Come back to me, come back to me, no.
loué. Aïe, ils sont pas à louer. Ils sont pas à fond voler. Oui, ils sont pas à louer. Oui, ils sont pas à louer. Ils louaient, louaient, louaient. Tout souvent à marcher. Oui, marcher, 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 marcher. Marcher, marcher. Oui, souvent à voler. Oui, souvent à voler. Oui, tout souvent à voler. Oui, tout souvent à voler. Voler, 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 loué, 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 à marcher, ou souvent à fond courir, ou souvent à pour son cri, crier, crier, crier. On dit béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. L'église a gagné nous fatiguer. Si nous pas fatiguer, monsieur Tennessee, qu'a dit béni soit l'Éternel. Rien béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Oui, ça m'a dit aux gens, yo loué. Ça m'a dit aux gens, yo dansé. Ça m'a dit aux gens, yo dansé pour mon Dieu. C'est pour ça, ça est. Pour changer d'avis en Israël. La principe, il dit dans la vallée, l'éternel vallée. Pendant la pluie et ma barre ou victoire, c'est pour ça. C'est comme ça,